Nico, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Ben, j'ai bien aimé la première mi-temps. J'ai trouvé que un des objectifs c'était de mieux défendre, avoir une densité de bloc équipe. J'ai trouvé qu'en première mi-temps c'était assez cohérent sur les distances, sur l'aide aux porteurs, la couverture des partenaires, l'agressivité. Et j'ai trouvé qu'on n'a quasiment pas été mis en difficulté en première mi-temps. Donc la commande était remplie de par la demande à la causerie. Dans l'utilisation du ballon, il nous manque encore cette dernière zone où on manque cruellement de capacité à déséquilibrer de différentes manières. Pour autant, on a scoré suite à un beau coup franc de Mika. Et j'avoue que la première mi-temps me convient. En tout cas, dans l'état dans lequel se trouvent les joueurs, la première mi-temps me convient. La deuxième mi-temps ne me convient pas du tout. Du tout. Voilà, je leur ai dit. Certes, on est fatigué, certes, on a subi beaucoup de choses pendant ces trois semaines, même quatre semaines de préparation. Mais on rentre mal, on est trop gentil dans le duel, on se met à douter, on récite un football qui n'est pas le nôtre, on se complique tout, on veut toujours engager des duels alors qu'il faut l'éviter. Donc tout ça, il faut le remettre, en tout cas à l'endroit, il faut remettre les têtes à l'endroit. C'est ce que je leur ai dit, je pense qu'il y a une prise de conscience, une remise en cause de la part de tous est réalisé, moi y compris, je me suis inclus dedans. Parce que si cette équipe joue comme ça, j'en suis aussi responsable. Mais la deuxième mi-temps ne me plaît pas, rien que dans l'état d'esprit déjà. L'intensité des courses, la volonté de, même si on n'a pas les cadres, la volonté de revenir, la volonté de pouvoir aider son partenaire. Voilà. Et on rentre dans la dualité, on perd confiance, et du coup, au lieu que le ballon aille vite, mais c'est nous qui prenons des coups parce qu'on ne le libère pas tout simplement assez vite. Donc ça, on va travailler pour que ça s'améliore, mais il faut qu'il y ait une prise de conscience collective sur ce qu'on est en train de produire et sur ce que ces joueurs-là produisaient. Voilà. Je ne peux pas croire qu'ils aient perdu leur football en aussi peu de temps. Il y a besoin peut-être de saigner davantage pour que les choses avancent. Là, ça devient inquiétant, là, aujourd'hui ? Inquiétant, c'est en tout cas cette deuxième mi-temps-là, si c'est l'image de notre équipe, oui, c'est très inquiétant. Maintenant, je suis intimement convaincu que cette équipe-là est capable de faire beaucoup mieux. Et en première mi-temps, j'ai le sentiment d'avoir une équipe beaucoup plus mature, plus à même de poser des problèmes à l'adversaire, plus dure à manœuvrer. Voilà, la première mi-temps me convient. On devrait être à ce niveau-là, à minima. On ne l'est pas aujourd'hui, donc il faut qu'on soit capable de se le dire et capable de trouver des solutions pour que cette équipe avance. Les deux buts encaissés sont déjà des erreurs individuelles. Comment t'expliques que Malherbe n'est toujours pas réussi à faire un clean sheet depuis le début de la prépa ? Mais parce qu'aujourd'hui, on ne défend pas bien dans les actions. C'est même pas une erreur individuelle. Le premier but, c'est 3 contre 1. C'est pas une erreur individuelle. Il y a un joueur contre 3, il arrive à sortir de ce duel-là et avoir un pénalty. Donc ce n'est pas une erreur individuelle, c'est un état d'esprit collectif. Voilà. Donc il faut retrouver cet état d'esprit-là. Les gens sont venus au stade, les gens se sont énormément abonnés pour voir une équipe agressive, conquérante, avec la volonté de défendre son but quand on n'est pas en possession du ballon. Aujourd'hui, il faut que j'arrive à inculquer ces valeurs-là à cette équipe-là, et cette équipe-là les avait. Là, on est en train de... on les a perdues, il faut les retrouver. Et pourquoi